En ces temps troublés, deux artistes juchés sur leur bicyclette découvrent avec délectation la maison natale du tigre, j'ai nommé Georges Clemenceau. Bouilleron à Paris, carrefour historique où se croisent tant d'hommes aux destins incroyables, devient le théâtre des pérégrinations de la Belle et du Blues. Le temps d'une chanson, il retrouve l'âme de l'ancien président en ses murs et y croise Paulette, la muse ayant inspiré l'auteur amoureux de cet hymne, la bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur. C'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Chez la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai. J'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. À l'époque, c'était le vélo. Oui, je ne suis pas la fille du facteur, je suis la fille d'un agriculteur. Maintenant, ils font des photos avec leur smartphone, non? Oui. Ils font des... Télé Claude, fais donc voir mes 20 ans, tu tombes un smartphone. Oh. Magnifique! Mais je comprends pourquoi ils étaient amoureux. Hein. Attends, voilà.